Salut tout le monde, aujourd'hui on se revoit pour ma routine du soir vu que je vous ai dernièrement fait ma routine du matin. Pendant la journée, je travaille habituellement de la maison et je suis sur un horaire fixe, donc je commence à 8h le matin et je termine à 16h30 le soir. Donc, soit je fais ça ou sinon je peux être en tournage aussi pendant la journée, mais peu importe, c'est la même routine du soir dans les deux cas. Donc, après avoir fermé mon ordinateur, je me dirige vers la salle de bain pour prendre ma douche, donc je la prends le soir. Il y a tout le temps des gens dans mes routines du matin qui me demandent si je prends ma douche, mais oui, c'est juste que je le fais le soir parce que pendant la journée, je fais du sport, donc je peux aller me coucher dans mes draps sans m'être lavée. Et ensuite de ça, je vais faire quelques tâches ménagères. Donc, c'est un peu différent chaque soir, mais cette fois-ci, je voulais partir mon lave-vaisselle et ensuite ranger la vaisselle propre. Des fois, ça peut être un peu de lavage aussi, passer la balayeuse, etc. Et après, je vais commencer à préparer le souper. Donc, je regarde un peu ce que j'ai. J'avais déjà une idée, je voulais me faire des pâtes au pesto. Donc, j'ai sorti tous les ingrédients dont je pensais avoir besoin. Donc, des pâtes faites avec des grains anciens, comme avec de la farine de quinoa et tout. Donc, sans farine blanche, des tomates raisins, des épinards, du fromage, du pesto, de l'ail, de l'oignon, etc. Et ensuite, j'aime ça aller sur Google pour regarder un peu les recettes avec les ingrédients que j'ai pour m'inspirer. Je me suis aussi sorti une collation, donc j'ai mangé des dattes tout simplement en même temps que je cuisinais pour pas avoir trop faim. Donc je vais faire bouillir mes pâtes et je vais vous mettre la recette dans la barre d'infos, même si je vous la montre dans la vidéo. Mais une fois que c'est bouilli, je vais venir les égoutter. J'ai ajouté un tout petit peu de margarine dans ma casserole. Je vais mettre des oignons et des tomates raisins. Je vais mettre un peu d'ail et des épinards aussi. Je vais venir mélanger le tout juste pour que ça revienne un peu. Je vais ajouter mon mélange d'épices. J'ai une vidéo sur comment le faire. Je vais vous mettre la carte sur l'écran en ce moment. Et après ça, j'ajoute les pâtes. Et plus tard, je vais mettre le pesto. Je l'aime vraiment beaucoup. Il vient de chez IGA et j'arrête pas de continuer à le racheter. Mon souper est maintenant prêt et je vais mettre un peu de fromage sur le dessus que je vais venir râper. Une fois que j'ai terminé de manger, je vais aller me préparer vraiment pour dormir. Donc, je vais brosser mes dents. Sous la douche, j'avais déjà lavé mon visage avec mon savon en barre. Donc là, je vais juste venir mettre ma crème sur mon visage. J'aurais dû le faire avant, mais j'avais oublié tout simplement. Je mets aussi de l'huile d'olive dans mes cheveux le soir, sauf que là, je l'avais mis le midi parce que c'est comme ça que ma journée s'était déroulée. Et je vais venir me coucher dans mon lit, donc c'est un lit mural et on peut tirer le lit par-dessus le divan. Je vais faire le lit rapidement et c'est pas mal tout pour ma routine du soir, donc j'aime ça avoir une routine pas trop compliquée. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si c'est le cas. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram si vous voulez plus de contenu, des conseils, des recettes, etc. Donc bye!